Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui les Nonishmat, Abraham Yonah Ben Chana, Peggy Bat Esther, Zara Bat Mazal Tov, Shish Portish, Simon Bat Leoni, Michael Novikov, et aussi l'Irfouat Norbert, Abraham Ben Fortuné, Mazal Tov, cher Paul Israël, si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous débutons, nous étudions aujourd'hui Makot, Perek Aleph, Mishnah Yud, Mi, Shenigmar, Dino, Ubarach, Ubalifne, Otobet Din, Ein Sotrin et Dino. כל מקום שיעמדו שניים ויאמרו, מעידין אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני, ופלוני ופלוני עדיו, הרי זה יהרג. סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ על הארץ. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חבלנית. רבי אליעזר, רבי אליעזר בן עזריה אומר, אחד אל 70 שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף הן מרבין שופכי דמים בישראל. מי שנגמר דינו וברח, celui qui a eu son procès terminé, tranché, son verdict prononcé, וברח, et il s'est enfui du בית דין, du Sanhedrin. Et on l'a recherché longuement, et finalement on a réussi à le retrouver. Ou balifnei oto betdin, et finalement on le ramène devant le même betdin, le même tribunal. En sotrin et dino. On ne recommencera pas à le rejuger. Sotrin lishbor, sotrin c'est contredire, on ne contredira pas son verdict. Soit on ne va pas remettre sur table de nouveau l'accusé, on ne va pas recommencer son jugement, son procès. Mais on va dire non, toi, on t'a déjà prononcé le verdict. Ça y est, on passe à l'exécution directement. D'accord? On continue la suite de la Mishnah et après on va soulever un petit problème. Kol makom sheyamdu shnaim veyomru. Tout endroit où deux personnes, deux témoins viendront et diront: Meidin ano beish ploni, nous témoignons contre telle personne. Shenigmar dino bebet dino shel ploni, qui a eu son verdict de condamnation à mort prononcé lorsqu'il était au Sanhedrin, au Beth Din, au tribunal d'un tel, de tel Rav, le grand rabbin Bogos, il a été jugé là-bas, il a déjà condamné à mort, ou Plony Edav, et tel et un tel étaient ses témoins, qui ont témoigné contre lui, donc, Arei ze Yehareg, il sera exécuté. Et je continue encore une phrase, et puis après on fait de l'ordre. Sanhedrin noeget baaretz, ou bechutz laaretz, les tribunaux sont d'usage en Eretz Israël et en Chutzal Aretz. Et on va expliquer cette petite phrase ensuite, mais j'avais juste besoin d'un petit détail pour mieux expliquer la Mishnah. Soit, je reprends la Mishnah qui a l'air facile, mais qui a en réalité une contradiction si on fait attention aux mots qui ont été utilisés. La Mishnah nous enseigne de manière générale. Il y a eu le tribunal, le Rav, Av Bet Din, a tranché, telle personne, Réhoven, condamnée à Chenek, la strangulation. Et lui, il a tellement pris peur qu'il s'est enfui par la petite lucarne des toilettes. Et après la fuite, on l'a attrapé 3-4 mois après, 5 mois après. Alors on le fait comparaître devant le Beth Din de nouveau. On le ramène au Beth Din. La Mishnah nous enseigne, on n'a pas besoin de le rejuger. On va lui dire, ah toi, on se souvient très bien de toi. On a déjà prononcé le verdict. On va t'exécuter tout de suite. La Mishnah maintenant envisage encore une autre situation. C'est que cette fois-ci, on a retrouvé cette personne, mais on n'était plus du tout dans la même ville, on était dans un autre secteur, à plusieurs centaines, milliers de kilomètres de là. Et donc, quoi? Au lieu de le rapporter au Beth Din, on a encore la possibilité de l'amener devant un autre tribunal, cette fois-ci avec deux témoins qui témoigneront que nous, on ne sait pas est-ce que Réhouven, il a tué ou il n'a pas tué. Mais une chose on sait, c'est qu'il a été jugé par le tribunal du grand rabbin d'Israël. Je sais plus où on en est, Rav Amar, si je ne me trompe pas, ou je sais pas. Non, je crois que ça a changé. Peu importe, la honte. D'accord, il a été jugé par le... Ouais, c'est Rav Yosef, qu'est-ce que je dis comme bêtise, bien sûr. Le fils de Rav Ovadia, avec Rav Yosef. Il a été jugé dans le grand tribunal de, peu importe, Rav Intel. Il a été jugé et tel et Intel étaient les témoins qui l'ont condamné à mort. Le Beth Din de tel Rav a bien analysé les témoins et a tranché le verdict qu'il était condamné à mort, et la Mishnah nous enseigne, eh ben, ce ne sera pas la peine de convoquer ni les juges, bien évidemment, ni même de rappeler les deux témoins,
Mais il suffira uniquement de dire, bon, bah, écoutez, nous, vous vous affirmez comme ça, apportez-nous plus de détails du verdict qui a été prononcé, à quel lieu ça s'est passé, quels étaient les propos, on va le faire, on va faire à ces témoins tout le questionnaire, puisqu'ils viennent pour condamner quelqu'un à mort, d'accord, donc on va les interroger, et ensuite, on va dire, bah, écoutez, puisque vous témoignez que le verdict a été prononcé, on va nous-mêmes exécuter ce Réhouven, le meurtrier. D'accord ? Mishnah relativement simple pour le moment. Il y a un problème dans la Mishnah, c'est que si on revient sur le début de la Mishnah, on va découvrir que celui qui a eu le verdict qui a été prononcé et qu'il est revenu comparaître devant le même Beit Din, alors on ne recommencera pas à le juger. On déduit de là, la Gemara soulève la question, donc s'il est parti dans un autre tribunal, on recommencera à le juger. Et quand tu continues la Mishnah te dit non, on ne le rejugera pas, alors j'ai pas compris. On ne le ramène pas dans le même tribunal, mais on l'amène dans un autre tribunal, est-ce qu'on devra le juger de nouveau ou non ? Des mots utilisés par la première partie de la Mishnah, je déduis, puisque tu me dis, ou balifne auto beddin, on ne recommencera pas à le juger. Donc, dans un autre beddin, il faudra recommencer à le juger. Tu continues la Mishnah et tu me dis, deux témoins pourront l'amener dans un autre beddin, et on témoignera qu'il a été condamné à mort, et on l'exécutera. Donc, on peut même aller témoigner dans un autre témoin, sans recommencer tout le procès depuis le début. Alors, décide-toi, tu te contredis. Et la Mishnah, et la Gemara, nous répond en réalité. C'est pour ça que j'ai voulu continuer à la dernière petite phrase. Qu'il y a deux situations. Il y a le cas où il s'enfuit de Chutz la'aretz à Eretz Israël, et le cas où il s'enfuit d'Eretz Israël en Chutz la'aretz, ou même d'Eretz Israël en Eretz Israël. Soit, de manière générale, on ne recommence pas le procès, c'est l'essentiel de la Mishnah à la suite, sauf à une exception. C'est s'il a été jugé en Chutz la'aretz, il y avait là-bas le tribunal du grand juge de Paris, par exemple, qu'il a jugé et qu'il a condamné à mort. Et alors là, vous devez vous étonner. Quoi ? À Paris, on a le droit de condamner à mort ? Le tribunal a le droit de condamner à mort ? C'est pour ça que j'ai continué à la dernière phrase de la Mishnah, où il y a écrit que Sanhedrin Noeget Baretz ou Bechutz Alaretz, même à l'étranger, le Sanhedrin est Noeg. On expliquera ensuite dans quel détail, mais en tout cas, il y a une situation pareille, où il y a effectivement un Sanhedrin en Chutz Alaretz. En Babylonie, il y a là-bas un tribunal. En Perse, un tribunal. Et ainsi de suite, d'accord ? De ce fait, si le tribunal là-bas l'a jugé ce Réhouven et l'a condamné à mort, et Réhouven a pris la fuite et il est venu en Israël. Ah, s'il est revenu en Israël, alors là, dans cette situation particulière, on va lui recommencer le procès. Non pas parce qu'on conteste la compétence des Dayanim de Chutz la'aretz, c'est pas du tout le sujet, aucun rapport. La Gemara, elle rapporte juste que Zchout d'Eretz Israël, peut-être que ça va le sauver. Le fait d'être venu en Eretz Israël, peut-être que cette fois-ci, en le rejugeant, il va avoir une petite aide du ciel qui va faire que les juges vont trouver une certaine circonstance atténuante. Comme la suite de la Mishnah nous précisera combien on cherche des circonstances atténuantes pour ne pas condamner à mort l'accusé, une notion qu'on a déjà évoquée dans Sanhedrin et qu'on reprendra, qu'on réévoquera de nouveau quand on arrivera ensuite. On cherche par tous les moyens, le Beit Din, le tribunal, cherche à disculper. C'est un grand mot de dire ce que je veux. Cherche à ne pas appliquer la condamnation à mort. On a un intérêt spécial, comme on l'expliquera. De ce fait, peut-être que le fait d'être venu en Eretz Israël, il va. Le zchout d'être passé de Chutz la'aretz en Eretz Israël va lui donner un petit coup de pouce du ciel pour que les juges qui vont réanalyser la situation vont pouvoir trouver une certaine petite contradiction à l'intérieur des propos des témoins. Donc, on va recommencer le jugement. D'accord ? Donc, c'est clair ? Je recommence maintenant la Mishnah, pas sans la relire et la traduire, mais uniquement dans l'idée. Donc, celui que le verdict a été prononcé, s'il revient dans le même Beit Din, alors on ne recommencera pas son jugement, mais s'il va dans un autre Beit Din, c'est-à-dire qu'il va, il a fui de Chutz la'aretz en Eretz Israël, on recommencera son procès. Par contre, de partout où il a été jugé, c'est la suite de la Mishnah qui nous dit « Kol makom she'yavdu shneim ve'yomru » De partout où deux témoins viendront et diront « Non, il a déjà été jugé en Eretz Israël. » D'Eretz Israël à Eretz Israël, d'Eretz Israël en Chutz la'aretz, ou même de Chutz la'aretz en Chutz la'aretz. Idem aussi entre s'il était à Paris et qu'il est passé à Babylone. Et que les témoins viennent et témoignent que quand il était à Paris, il a déjà été jugé condamné à mort par le grand juge de Paris, et puis maintenant, ben, on l'exécutera directement tout de suite, tant qu'il n'est pas venu en Eretz Israël. S'il vient en Eretz Israël, on commence en jugement. D'accord, c'est clair. Mais dit Nano, il y a de quoi rallonger, mais quand la Mishnah est déjà relativement longue, on va s'arrêter là, pour ce sujet. Donc, Meidin Nano, Shloni, Shenigmar, Dino,
c'est bon. Sanhedrin, maintenant, on apporte quelques petites précisions sur le Sanhedrin Noeget Ba'aretz ou Bechutz Al-Aretz. Le Sanhedrin, le grand tribunal, donc, est d'usage en vigueur en Eretz Israël ou même en Chutz Al-Aretz, même en diaspora. Soit il peut effectivement y avoir. Alors, quelques petites notions. D'abord, pour pouvoir condamner à mort, il faut être un Dayan Samouch qui a été attesté par son rave, lui-même attesté par son rave, lui-même attesté par son rave, et on remonte la chaîne jusqu'à Moshe Rabbeinu et les 70 Zkenim, d'accord. Moshe Rabbeinu a lui-même été sommaire les 70 Zkenim, et ainsi de suite, d'accord. Première condition donc, pour qu'un juge puisse condamner à mort en Chutz Al-Aretz, comme en Eretz Israël, il doit être un juge Samour, ça n'existe plus à notre époque. On avait déjà parlé de ça dans Sanhedrin, c'est la Smichat Zkenim, depuis le premier verset de Sanhedrin, on en avait parlé. Il y a à part ça, autre condition aussi, c'est qu'il y ait un Sanhedrin qui soit à la Lishkat Agazit, au Metamikdash. Il y avait là-bas une chambre spéciale qui s'appelait la Lishkat Agazit, où là-bas siégeaient les 71 grands juges, les plus grands juges du Ham Israël. Et là-bas, hein, c'était la Lishkat Agazit. S'il y a à la Lishkat Agazit des juges en vigueur qui fonctionnent, alors, dans ce cas-là, on peut juger même en Chutz Al-Aretz. Mais si, à la Lishkat Gazit, il n'y a plus le Sanhedrin, de nulle part on ne pourra plus juger, plutôt en Chutz Al-Aretz on ne pourra plus juger. Je crois qu'en Eretz Israël, on pourra quand même juger, je ne sais plus, le Bartendant nous le dira. Et je viens de deux Negnasod et une Fashot, Ben Barret, Ben Chutz Al-Aretz. Ouais. Par contre, s'il n'y a plus de juger à la Lishkat Gazit, de nulle part on ne pourra plus juger. D'accord. Autre précision encore qui est précisée dans la Gemara. Il y a quand même une différence entre les tribunaux d'Eretz Israël et de Chutz Al-Aretz. En Eretz Israël, chaque ville, comme ce qu'on apprenait à la fin du premier chapitre de Sanhedrin, chaque ville, il y a, je crois, 120 ou 280, je ne sais plus précisément combien là-bas, la Mishnah a précisé de deux avis, personne qui habite doit nécessairement avoir un Sanhedrin de 23 juges. Tandis qu'en Chutz Al-Aretz, ce n'est pas la peine d'avoir dans chaque ville 23 juges, il suffit d'avoir dans chaque malchut. Alors, une malchut, dire un royaume, c'est un grand mot. J'ai plus l'impression qu'on parle, en réalité, que c'est plus comme une principauté. Un endroit où il y avait un seigneur qui dirigeait tout son secteur, une région. Donc, par région, il faudra un tribunal. D'accord ? On a fini avec la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant. Et si déjà, je propose de nouveau qu'on fasse tout de suite le Bartendant, ça évitera de revenir et de tout remettre sur table. C'est à Sanhedrin, on parle du Sanhedrin, à Smuchim Bares, qui ont été attestés... par leur en Eretz Israël, Yeshlan Rishut la Dun Dinek Nasot Vedin Nefashot. En Chutz Al-Aretz, Ben Baretz, Ben Chutz Al-Aretz. En Eretz Israël ou en Chutz Al-Aretz, ils ont désormais le droit de juger, que ce soit les jugements des Knasot, des amendes, d'accord, mais pas des litiges d'argent, des amendes d'argent, c'est un statut spécial, on dirait, ok, on va pas ranger dessus, et ou bien les Dinek Nefashot, les procès de condamnation à mort. Kolzman Sheyesh Bet Din Agadol Belishkat Agazit, tant qu'il y a à la Lishkat Agazit, donc dans cette salle, à côté, dans cette chambre, à côté du Bet Amigdash, parlant du Misbeach, qui est là-bas le Sanhedrin qui est installé, Shenemar, les Beltish Moel Akohen, ou la Chauffette. Il y a un pasouk dans Dvarim, dans Shoftim, qui nous parle que quoi, le pasouk qui nous dit de monter voir la Lishkat Agazit pour nous trancher tous les sfekot. On avait parlé de ça quand on a parlé du Zaken Mamre. Bisman Shesh Kohen Makri Val Gaba Misbeach, tant qu'il y a un Kohen qui est au Bet HaMikdash et qui offre des korbanot, on est encore dans la période où il y a les korbanot au Bet HaMikdash, alors il y a Shofet Shed Dan Dinei Nefashot Bisman. Alors un juge a le droit, en dehors du Bet HaMikdash, de juger et de condamner à mort. Par contre, Bisman Shesh En Kohen En Shofet. Mais dès que le service du Bet HaMikdash n'est plus concrétisé, n'est plus appliqué, alors on ne pourra plus juger et condamner à mort, même s'il nous restait à l'époque encore des smouchim, mais qu'il n'y avait plus le Bet HaMikdash et le korban qui était approché, qui était offert. Dernier sujet de la Mishnah. Sanhedrin haoreget achad echad beshavua nikret chavlanit. Un Sanhedrin qui condamne à mort une fois par Shavua. Shavua, c'est pas une semaine cette fois-ci, mais c'est un septennat. Une fois tous les 7 ans, un Bedin qui réussit à prononcer une condamnation à mort une fois tous les 7 ans, c'est déjà un Sanhedrin qualifié de Nikret. Il se rappelait Chavlanit, un, comme un Mechabel,
l'assassin. Ouais. Pourquoi? Parce que quoi? Ils sont pas capables de trouver des circonstances atténuantes. Une fois tous les 7 ans, c'est déjà une fois de trop. Moins qu'une fois tous les 7 ans pour tuer. Rabbelazar ben Azaria Omer, Echad le Shevim Shana, une fois tous les 70 ans. Si un Beddin qui tue une fois tous les 70 ans, c'est déjà un Beddin où là-bas ils sont trop rigoureux. Ils sont pas capables de trouver des circonstances atténuantes. Il y a un grand inyan comme ça de que les juges trouvent absolument des circonstances pour disculper, pour qu'on n'applique plus la condamnation à mort à l'accusé. Une notion importante qu'on va préciser dans quelques secondes. D'abord, je finis toute la Mishnah comme ça, on a vu tous les avis, et puis après, on fait de l'ordre. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva Omrim. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, eux, viennent et déclarent et nous disent « Iloheinu besanedrin » Si nous, on siégeait au Sanhedrin, on avait été des juges du Sanhedrin, sachez que dans notre tribunal, « Lonera gadam meolam » Jamais quelqu'un aurait pu être tué. Pourquoi? Encore quelques secondes. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, selon Rabban Shimon ben Gamliel, le rétorque, elle leur dit Afhen marbin shofre damin be Israël. Grâce à eux, on aurait eu le mérite d'avoir plein d'assassins au sein du peuple d'Israël. Soit, on a ici 4 avis qui ont parlé, mais 2 et 2. Tout d'abord, tous les combien un Beddin qui tue, qui condamne à mort, sera un Beddin considéré comme un Beddin trop rigoureux qui se permet facilement d'assassiner, de tuer des personnes, d'accord, sans trouver des circonstances atténuantes, soit une fois tous les 7 ans, soit une fois tous les 70 ans. Et ensuite, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, eux viennent et affirment quelque chose d'intéressant. Ils disent, sachez que nous, jamais quelqu'un aurait pu être tué dans notre Sanhedrin. Vous savez pourquoi? La Gemara précise quelle question vicieuse il serait parti de poser. Quand vous l'avez vu qu'il a planté le couteau, peut-être que l'endroit où il a mis le couteau, il y avait déjà un trou. Ouais. Des tas de questions. Peut-être que, même avant qu'on arrive à cette question, la Gemara le propose deux éventualités. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait un cancer généralisé et il restait quelques jours à vivre. Et dans ce cas-là, il serait plus condamné à mort. Peut-être que plein de questions comme ça, un petit peu bizarres. Jusqu'à qu'à la fin, il partait même poser peut-être que quand il a enfoncé le couteau, il avait peut-être là-bas un trou. Mais bien évidemment, il n'y a personne qui va pouvoir affirmer « Ah, j'ai vu qu'il était en pleine forme. » Presque pas. D'accord? Et aussi, la Gemara précise encore, si toutefois ils ont vu que c'était Giloui Arayot, des fautes d'inceste, ils leur posaient des questions. Est-ce que vous avez vu le makrol bashroferet, le pinceau qui entrait dans l'encrier? D'accord? Atkedekar, jusque-là. Tandis que Rachamim, ils disent non, ça suffit de voir qu'ils se conduisent comme des fauteurs pour conclure qu'ils ont fauté, c'est pas la peine d'aller voir de trop près. Et ça, c'était les questions qu'il soulevait Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Selon Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel, le rhéteur qui leur dit ben, les amis, c'est une catastrophe. Avoir des juges comme vous, ça fait que les assassins potentiels vont devenir des assassins concrets parce qu'il n'y aura plus la peur du Sanhedrin de se faire tuer, puisque finalement, on sait très bien que les juges, ils sont tellement souples et gentils que finalement, ils ne condamneront jamais à mort. Et finalement, hein, quelqu'un qui hésitait encore un petit peu à tuer parce qu'il avait peur de mourir, il se dira, ben, grâce à ces rabbanim, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, moi je ne serai jamais condamné à mort. Afen marbin shofred amim b'Israël. Grâce à vous, on aura plein d'assassins dans le peuple d'Israël. Donc Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord de trouver tellement de circonstances atténuantes pour disculper les accusés. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, il y a un problème technique. Pour ceux qui se souviennent de Sanhedrin, on apprenait que même lorsque l'on va arriver à une certaine situation de contradiction, mais que c'était une contradiction, que ça manquait juste d'éclat et de clairvoyance, de clarté, mais que c'est quand même, c'est évident que c'est un assassin, on apprenait là-bas dans Sanhedrin que Machnissin Otola Kippa, on s'est débrouillé pour le tuer de manière indirecte. On l'enfermait dans une pièce, on le faisait manger de l'orge. On le donnait à manger à petite dose, comme ça il va avoir très faim. Et d'un coup, on lui donnait plein d'orge à manger, comme ça son ventre gonfle et il explose. C'était violent. Donc finalement, le Beit Din, certes, ne va pas appliquer la condamnation à mort, mais l'assassin, il va quand même se faire exécuter. C'est justement ça en réalité. Alors que finalement, qu'est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel le rétorque et leur dit, grâce à vous, il y aura plein d'assassins, les assassins, ils vont avoir peur. La réponse, elle est simple, elle est proposée par le Tiferet Israël, elle est de dire que non, les assassins, à partir du moment où c'est plus la condamnation à mort franche, la guillotine, la strangulation, la lapidation, alors là, ils vont dire, bon, ça va, on va réussir à esquiver. Ouais, ils ne sentent pas la gravité de la condamnation qui leur pend au nez. De ce fait, ils vont effectivement continuer à assassiner et à tuer.
Et c'est pour ça que c'est une mauvaise conduite. D'accord ? Selon ce même principe, on comprend aussi les deux avis qui nous disent que le Beit Din doit absolument trouver des circonstances atténuantes. On ne cherche pas des circonstances atténuantes pour disculper complètement, mais uniquement pour ne pas appliquer la sévère condamnation à mort du Beit Din. Mais quand même, on se débrouillera pour l'enfermer, pour l'éliminer de manière sans bavure, comme ce qu'on avait dit. Et voilà pour la Mishnah. On fait présent la deuxième partie du Parthenon à Sanhedrin en Roged à Khat Nishimushana. Un Sanhedrin qui condamne une fois tous les Uchad Beshavua, une fois tous les Septena. Ouais, à ne pas traduire avec une semaine, comme ce que le Parthenon nous dit. Achat Leshemashanim, une fois tous les 7 ans. Nikret Ravlanit, c'est un Beit Din qui s'appelle Ravlanit, qui détériore, qui abîme. Chetzarir Sheyu Metunin Bedin, car il y a une halakha d'être patient, de bien analyser le jugement, et que dans les jugements qui portent sur les condamnations à mort, cherche absolument à trouver des circonstances atténuantes, des zhruyot, des mérites, des circonstances, pour expliquer que sa faute n'était pas aussi grave que ce qu'on peut voir. L'onera gadam olam, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Tarbana, Rabbi Akiva, qui nous disent que personne n'aurait été tué à notre époque. Pourquoi ? Car ils auraient cherché à poser des questions sur des choses, sur des questions qui n'auraient pas, c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu trouver des réponses. Par exemple, il me retient aussi, on parle d'un assassin. Mareitem, qu'est-ce que vous avez vu ? Trefarag ou Shalem Arag ? Quelqu'un qui était déjà mourant ou quelqu'un qui était en pleine forme ? Et il me dit, Salomar Shalem Arag, si tu veux me dire que peut-être qu'il a tué quelqu'un qui était en pleine forme. Shema bim comme Saif Nekevaya. Ouais, peut-être que vous êtes parti voir après qu'elle a été tuée, qu'elle était en pleine forme, elle était encore parfaitement. Ouais, alors peut-être que malgré tout, là, à l'endroit où le couteau il est rentré là-bas, il y avait peut-être déjà un autre petit trou. Mais Megale Arayot, ou s'ils ont vu faire une faute d'inceste, d'adultère, ou peu importe, Reitem Kemakrolosh Beshfaferet, avez-vous vu la plume entrer dans l'encrier ? Afhen Marbin Chofredamim, ça c'était l'avis de Rabban Shimon Gamaliel qui leur dit bravo les amis, grâce à vous il y aura plein d'assassins en Israël, pourquoi ? Mitorkar, car grâce à votre indulgence, En Mechalina Rishaim, Omar Bim Nishfordam, on ne va pas tuer les impies, les mauvais, les fauteurs, et grâce à ça, Omar Bim Nishfordam, et grâce à ça, il va s'avérer que. Il y aura beaucoup d'assassins, beaucoup d'assassinats dans le peuple, Chas v'Shalom. C'est pour ça que selon Rabban Shimon Gamliel, quand on sent qu'il faut le tuer, il ne faut pas hésiter à tuer l'assassin. Et comme ce qu'on a vu dans Sanhedrin, là-bas on rapportait le pasouk, Bavod Rishaim Rina, lorsque les impies se font détruire et tuer du monde, eh ben, c'est une grande joie pour le peuple entier. Ça fait qu'il y a le jugement sur terre qui est bien appliqué et que les gens se conduisent mieux, aussi dur que ça peut être. C'est pour le bien de l'humanité entière. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Zafra comme tout cela.